Un match pour le top 6 en ouverture de cette 9e journée de top 14. Le Stade Toulousain accueille l'Union Bordeaux-Bègles. Les deux équipes ont perdu le week-end précédent lors de la 8e journée. Opération rachat pour ces deux clubs qui veulent rester accrochés au haut de tableau. Ça commence très bien pour le Stade Toulousain qui va réciter son rugby dans ce début de match et inscrire un essai par intermédiaire de Cheslin Colby à la 9e minute de jeu. C'est lui qui est à l'origine de cette action. Après une percée monumentale depuis ses 22 mètres, Toulouse avait auparavant ouvert le score sur pénalité 10-0 et bientôt 17 puisque sur le renvoi, Toulouse va remonter tout le terrain par l'intermédiaire notamment de Gaël Ficou et Thomas Ramos. Et là sur ce ruck dans les 22 mètres adverses, Sofiane Guitoun voit un trou, il s'échappe au ras du ruck et vient planter le deuxième essai toulousain de l'après-midi. Bordeaux déverrouille son compteur sur pénalité, mais le festival continue pour Toulouse avec cette passe au pied de Holmes pour Colby qui remet intérieur pour Axtens. Et le troisième ligne envoie Julien Marchand, son talonneur à l'essai. 17 minutes de jeu et déjà le point de bonus offensif dans les poches du Stade Toulousain. Et là, soudain, cette partie va complètement, mais alors complètement basculer. D'abord sur ce ballon porté qui fait des ravages, on s'écroule derrière la ligne. Et ses collectifs attribués à Adrien Pélissier. À la demi-heure de jeu, la possession est désormais exclusivement girondine. Ça avance en attaquant la ligne, là comme le fait Ravaille. Il joue debout, il casse deux plaquages, il transmet après contact à Yann Nesgourde. Son offload est magnifique et ça donne un deuxième essai pour l'UBB. Ça y est, ce match est relancé. D'autant plus que Bordeaux va faire le forcing pour égaliser avec un déboulé d'Adrien Pélissier qui a un surnom sur l'extérieur. Dubié va finalement s'appuyer sur Taleboula qui, tout en puissance, vient marquer le troisième essai de l'UBB. Égalisation 24 partout. Match totalement fou. Renversement de situation quasiment improbable quand Ravaille attaque à nouveau la ligne. Il y a encore du surnombre sur les extérieurs. Jean-Pascal Barak est servi, il y a un platir en coin. Vous l'avez vu au passage, il y a un plaquage haut. Sofiane Guitoun prend un carton jaune à 34-24 à la pause. Et pourtant, en infériorité numérique, le Stade Toulousain va trouver les ressources pour revenir avec cet essai de Colby. Essai en contre sur une transmission mal assurée par Jalibert. L'ailier qui ramasse le ballon pour ramener Toulouse dans les clous du bonus défensif. Cette fois, Bordeaux va faire ensuite le trou sur pénalité et va se voir refuser un essai à la 73e minute pour un passage à vide. Et juste derrière, regardez bien, c'est le Stade Toulousain qui va aller à Dame. 75e minute de jeu, le porté emporte tout sur son passage. Le Stade Toulousain reprend les commandes dans ce match. C'est un scénario ébouriffant, d'autant que Bordeaux va avoir la pénalité de la gagne juste après la sirène. Sur cette poussée en mêlée, Mathieu Jalibert à la balle de match. Et ça passe à côté, incroyable, 38-37, la victoire. Et pour le Stade Toulousain, l'Union Bordeaux-Bègles décroche un bonus défensif au terme du match le plus prolifique de la saison. 75 points inscrits.